Donc on dit que les Français sont pessimistes. Et c'est vrai que quand on regarde les sondages et qu'on les compare à d'autres pays, notamment européens, italiens, espagnols, ils sont très pessimistes. Alors la question que je me suis posée, c'est si en remontant dans l'histoire, les Français avaient toujours été pessimistes ou si au contraire, il y avait eu des moments où ils étaient vraiment optimistes. Quand on repart de l'Antiquité, on se rend compte que les Gaulois, les ancêtres des Français, si on veut, d'une certaine manière, en tout cas d'une partie des Français, étaient jugés comme facilement décourageables quand il y avait une bataille. Et puis au Moyen-Âge, on avait un temps orienté, mais c'est pareil, il y a des moments où on avait des grands découragements. Mais progressivement, en France, s'est installée l'idée qu'en fait, dans l'avenir, on pouvait compter sur une force qui était Dieu, et on voit bien que le temps a été orienté par la religion et la religion chrétienne. Et puis progressivement, ça a été remplacé par le rêve du progrès, par la religion du progrès, on pourrait dire, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Et finalement, au XXe siècle, la France a connu, là encore, des hauts et des bas, mais avec cette fois-ci progressivement une dégradation de sa croyance dans un avenir meilleur, dans cet optimisme. Et en particulier, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on voit bien qu'il y a une tension qui a monté. La crise depuis les années 70, notamment à partir de 1975, a beaucoup laminé l'opinion publique. Et donc aujourd'hui, effectivement, les Français sont pessimistes, mais ce n'est qu'un moment de leur histoire. Et on peut espérer qu'avec, comme le disait Gramsci, l'optimisme de leur volonté, ils ne finissent par retrouver une vision de l'avenir plus ouverte. L'optimisme, la chose la plus naturelle pour un chef d'entreprise. Pourquoi ? Parce que chaque jour amène son lot de difficultés, de taxes nouvelles, dirais-je, d'annonces de mauvaises, de difficultés à surmonter chaque matin, et on est confronté, bien entendu, à devoir notamment les résoudre, mais surtout à le faire avec le sourire. Donc j'ai décidé, en ce qui me concerne, que chaque mauvaise nouvelle était une opportunité. Chaque bonne nouvelle, c'est une opportunité supplémentaire. Donc je suis optimiste résolu, parce qu'effectivement, c'est le seul moyen d'être entreprenant. C'est un débat très actuel, hein, puisque la presse week-end titrait beaucoup de titres dans ce sens-là. Et je trouve que les exemples donnés par la psychologue qui était là et le philosophe se complétaient tout à fait, dans le sens que on vit actuellement dans une société qui est peut-être pas très très facile, et justement où beaucoup ont perdu d'optimisme, qu'il faut retrouver justement pour contrer ces moments difficiles peut-être qu'on traverse actuellement en entreprise ou en auto-entrepreneur, parce que moi je suis à mon propre compte. Et je pense qu'il faut aller de l'avant. Donc il y avait quelques petites recettes qui étaient fort bien dites, je trouve. Souvent les gens, on a l'impression que c'est l'environnement qui les conditionne. Et là, dans cette conférence, à plusieurs moments, il a été mis en avant le rôle que chacun a joué. Et je trouve que c'est précieux d'avoir des espaces où ce soit dit. Donc le sujet de la conférence, c'était Web is Optimisme, dans le cadre de l'entrepreneuriat et de la direction d'entreprise.
Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question-là? C'est parce que dans un moment comme celui que l'on vit aujourd'hui, qui est un moment de crise, certains ont tendance à l'interpréter plutôt comme un changement de paradigme, voire même un changement de monde, dans lequel le numérique aurait sa part de responsabilité. Donc c'est ce qu'on a voulu traiter. Cette conférence, elle s'inscrit dans un autre cycle, un cycle Nantou-Nantais ou Nantais-Saint-Nazérien, ou même, j'espère, Pays de la Loire, qui est celui de faire rencontrer les suites à capuche et les costumes cravates, de faire en sorte que les gens discutent entre eux, échangent entre eux, et puis que les bonnes influences des deux parties viennent influencer positivement et donner de l'optimisme à toutes les entreprises, toutes les ventes d'entreprises ici sur notre territoire. L'optimisme, je pense que c'est un état d'esprit, c'est de penser que l'on peut peser sur le cours des choses, qu'il n'y a pas de fatalité, que ce soit au niveau d'une entreprise ou bien évidemment au niveau de la nation et de l'Europe, bien sûr, pour demain. Il est sans doute essentiel d'avoir une posture optimiste, surtout quand les situations sont difficiles. Nous avons de très beaux projets, nous arrivons dans la concertation avec le pouvoir politique et économique à avoir de beaux projets. Les éoliens offshore, notre aéroport que nous allons finalement avoir, mais il faut encore se battre. Hein. On sait bien que le français est râleur, le français est compliqué, mais le français est optimiste sur le fond, voilà, puisqu'il croit à son avenir et il pense que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et je voudrais quand même donner une petite pensée à nos entrepreneurs qui, pour certains, souffrent, qui sont dans la difficulté. Il y en a. Chaque mois de plus en plus, donc pensons à eux, organisez-nous. Nous sommes connus en Loire-Atlantique pour être de réseaux solidaires, faisons jouer notre solidarité aujourd'hui dans les situations difficiles. Une pensée aussi pour les salariés qui perdent leur emploi dans ces situations, en leur disant que moi, j'ai toujours vu la petite lumière au fond et je la vois encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Il s'avère que cette période de 10 ans est une période très curieuse et très négativement curieuse. Alors, la bonne nouvelle, pour reprendre les expressions du président, c'est que 10 ans, ça n'est pas grand-chose. Et qu'on ne peut pas condamner un pays, tout simplement parce que pendant 10 ans, il a 10, 12 ans, 10, 15 ans, il a vraiment connu une période difficile. Nous sommes un pays qui est tellement, j'allais dire, béni des dieux sur plein de points, qu'il lui arrive souvent, d'aller jusqu'au bord, au gouffre du précipice, et puis là, prendre une prise de conscience. Il me semble que c'est le moment, ça fait partie de mon pessimisme, de mon optimisme, pardon, c'est que nous sommes en réalité dans une période où la population française, dans son ensemble, commence à prendre conscience du fait qu'il faut modifier la donne. La réalité, c'est que, quoi qu'il arrive, les pays de l'OCDE, États-Unis inclus, ont l'obligation de se désendetter, que le désendettement, c'est très long, que si on essaie de le faire trop rapidement, ce qui fut le cas dans la dernière année, on s'aperçoit que l'impact négatif est bien pire que la solution qu'on veut trouver. On voit que sur le terrain, sur les mêmes questions, logement, emploi, santé, les réponses que nous font les gens sont beaucoup plus positives que ce qu'on a dans les enquêtes d'opinion, dans les sondages d'opinion nationaux, où les gens, au fond, sont influencés par le grand récit des médias, par l'opinion telle qu'on l'agrège dans les enquêtes nationales. Mais dans les enquêtes territoriales, quand les gens se réfèrent à là où ils vivent, c'est-à-dire un pied dans le local et aussi la tête dans la mondialisation, par Internet, par la télévision, eh bien, les perceptions de l'environnement sont beaucoup plus positives. Donc il y a un problème de décalage entre un grand récit national qui est déprimant et des récits individuels qui construisent un avenir beaucoup plus porteur. Si déjà on remplaçait crise par mutation, je pense qu'on appréhenderait les choses différemment. Alors, est-ce qu'il faut avoir la foi pour être chef d'entreprise? Oui, sans doute. Est-ce que c'est une foi de type religieux? Je ne crois pas. Ce n'est pas une foi eschatologique, ce n'est pas une foi qui est tournée vers le pessimisme sur le monde ou vers la destruction. Je pense que c'est vraiment une foi affirmative, une foi d'entrepreneur, c'est une foi qui prend les choses comme elles sont et qui veut encore aller plus loin, et à la limite, qui peut même ignorer tout ce qui pourrait aller contre elle. Autrement dit, c'est une volonté, en quelque sorte. On devrait considérer
que c'est l'optimiste, le plus réaliste des deux, le plus sage des deux. Pourquoi ? Alors, on peut le montrer à partir de l'exemple habituel du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Vous vous rappelez, on dit très souvent qu'est-ce que c'est que le pessimiste, celui qui voit le verre à moitié vide, et l'optimiste, c'est celui qui voit le verre à moitié plein. Ce qui est intéressant là-dedans, les petites blagues, souvent, c'est plus profond qu'on ne s'imagine, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, c'est la même quantité. C'est-à-dire, si on décrivait objectivement ce qu'il y a dans le verre, si on le décrivait objectivement, c'est la même chose. Donc, tenir deux discours opposés, le vide et le plein, c'est opposé comme le 1 et le 0. Hein. Bon. Deux discours opposés sur une même réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'origine de ce discours, elle est dans l'individu qui la tient. Autrement dit, qu'on a affaire à une tendance, à une manière de voir le monde, globale. Bon, alors, caractérisons ces deux manières de voir le monde. Celui qui voit le plein, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une réalité, il voit une chose qui existe, c'est-à-dire une chose dont il peut faire quelque chose. Donc ça, c'est la caractéristique de l'homme actif. Le verre à moitié plein, je peux le boire, je peux le verser dans mes fleurs, je peux me le verser sur la tête, je peux faire ce que je veux. Il y a quelque chose là-dedans, une réalité pour travailler avec. Et celui qui voit le verre à moitié vide, qu'est-ce qu'il voit ? Ah, c'est le raisin de la fable, les raisins de la fable. Hein. Trop vert est bon pour les goujats, comme disait le renard. C'est-à-dire, il voit quelque chose qui ne le satisfait pas parce qu'il a en tête, lui, un idéal de la réalité qui n'est pas conforme à ce qu'il voit et qui le conduit à rejeter, à nier, à se désintéresser de cette réalité. Autrement dit, le pessimiste, et c'est à ça que je voulais en venir, le pessimiste est un idéaliste. Ce n'est pas l'optimiste qui est un idéaliste. L'optimiste est un réaliste. C'est-à-dire celui qui voit les choses et ce qu'il peut en tirer comme profit. Le pessimiste est un idéaliste. Il se dit, les choses sont pourries et vont aller de moins bien en moins bien parce qu'elles ne sont pas conformes à mes désirs, à l'idée que je voudrais qu'elles soient. Donc, à partir de ce moment-là, il apparaît très clairement que l'optimisme réel est en quelque sorte la qualité fondamentale de l'entrepreneur. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur véritable ? C'est quelqu'un pour qui il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Pourquoi ? Parce que c'est l'acte lui-même qui porte, pour lui, une joie affirmative, une joie de faire et une joie d'être. Il y a l'individualisme, c'est vrai, chacun essaie de maximiser ses profits, mais en même temps, on sent bien qu'on ne s'en sortira pas si on ne paye pas notre tribut à l'intérêt général. Eh bien ça, c'est une capacité de se mobiliser qui est essentielle, qui est possible et qu'il faut stimuler, accompagner, qu'il faut construire. Ça passe par le symbolique. Ça passe par des mots, ça passe pas seulement par des faits. Il faut des symboles. Il faut donner envie d'engager ce travail sur l'imaginaire. L'entreprise, c'est aussi la capacité d'imaginer, de faire entrevoir des possibles, d'aller à l'assaut d'utopie. Je crois que c'est cela. Et s'il n'y a pas un imaginaire des utopies, il n'y aura pas de création, il n'y aura pas d'innovation. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je vais repartir avec encore plus d'optimisme. Je n'oserai même plus prononcer le mot crise. C'est terminé. Je dirai, ben voilà, je suis en pleine mutation. Nous sommes en pleine mutation et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre à mon entourage et puis à mes clients. Donc les mutations, ben, ça veut dire aussi de mettre en œuvre un certain nombre de choses pour engager le changement. Voilà, une crise, c'est une mutation. Allons-y, croyons-y. Le mot optimisme était quelque chose effectivement qui était certainement qui méritait d'aller beaucoup plus en profondeur dans sa définition et dont j'ai trouvé effectivement cette séance plénière passionnante et intéressante. Non, j'ai beaucoup aimé l'intervention du philosophe qui nous a permis de prendre du recul. Et dans cette période actuelle, on en a besoin. Et puis, on s'est rendu compte qu'on devrait tous être optimistes en fin de compte.